pense qu'on va être prêt parce qu'on a vécu tellement de choses, nous, depuis 2016, qu'il n'y a plus grand-chose qui peut complètement nous perturber. Quand j'ai parlé de déception, je sais pas, il n'y a pas eu d'effondrement. Il y a la déception parce qu'on avait envie que ça démarre. Voilà, parce qu'on était prêt. Hier soir, quand j'ai réuni mon staff, parce que je ne leur ai pas dit, j'ai eu les premiers éléments quand on était dans le car en rentrant de l'entraînement, aux alentours de 21h, 21h15, je crois. Les premières informations commençaient à arriver, j'ai rien dit à mon staff. J'ai laissé le staff travailler avec ses habitudes, finir les montages vidéo et ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis entraîneur de handball. Donc moi, je suis pas là pour juger. Moi, juste, j'ai un avis philosophique sur la fête que doit être un TQO. Voilà, sur la fête que doit être un TQO en Afrique. Sur ce que le handball africain doit montrer à tout le reste du monde, parce que voilà, même si je suis le blanc au milieu du village, je suis venu avec d'autres intentions que ça. Je suis pas venu donner la leçon, je suis venu essayer de pousser un petit peu tout le monde à être meilleur et faire en sorte que derrière le handball sénégalais revienne aux Sénégalais. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un de passage, je suis un entraîneur pro, nous on est des gens de passage. Donc la déception, elle est là parce qu'une compétition comme ça doit être une fête populaire, ça doit permettre à des jeunes filles, à des gamines de découvrir le handball et avoir envie de jouer au handball, voilà. Plus que tout ce qu'il va y avoir. Nous, on est déjà des privilégiés, on vit de notre passion. On est déjà des privilégiés, mais un TQO à la maison, ça doit susciter des vocations, ça doit donner envie d'y aller, ça doit pousser les parents à amener les gamines dans les clubs. Voilà, c'est ça la finalité d'un TQO, c'est pas le reste. Et donc la déception, elle est là. Pour nous, nous, on va être prêts, il n'y a pas de problème. Par contre, pour revenir sur votre question, si jamais c'est un acte préparé, anticipé, délibéré, c'est une grave faute d'intelligence. Parce que je suis qu'entraîneur, je ne suis pas juge, par contre, je connais les textes. Et la sanction qui va tomber là, croyez-moi, moi aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que le Cameroun va continuer à exister en handball féminin dans les années à venir avec la sanction qui va tomber dans les jours qui viennent? Voilà. Il y a de fortes chances que sur plusieurs années, vous ne voyez pas une équipe camerounaise participer à une compétition internationale. C'est ça la réalité des textes. Parce que là, on est sur une compétition du comité olympique et de l'IHF. Ce n'est pas le tournoi du quartier. Ce qu'elles ont fait là, j'espère pour elles, que c'est pour des raisons valables, peut difficilement excuser, mais au moins qu'on peut comprendre. Et par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que la sanction qui va tomber, elle va être terrible. Terrible. On a Sonko, notre sœur locale, qu'on avait eu en 2016, et on avait hâte de le retrouver parce que les filles sont très attachées à lui. Et donc, en complément de notre kiné, maintenant, on a vraiment un staff de très très haut niveau. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits. Le staff que j'ai aujourd'hui avec le Sénégal est vraiment un staff ultra compétent et très très expérimenté. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on a à faire. Tout se passe bien, il n'y a pas de bobo. On a amené 19 joueuses, les 19 joueuses sont prêtes à jouer et on va faire le choix à nouveau ce soir. On a la possibilité de refaire une liste, donc on va refaire une liste ce soir et on verra si on garde les mêmes changements qu'hier ou si en fonction de l'entraînement, on fait quelques petites adaptations par rapport à ce qu'on va voir sur le RDC Angola. Ouais, et sûr, je vous donne le scoop, sûr, elles sont dans les 19. Les 16 qui vont jouer demain sont dans les 19. Vous pouvez me faire confiance, vous pouvez me faire confiance, je ne vais pas vous faire un changement de dernière minute. Merci les amis. Allez, merci.